Point de contact entre trois continents, l'Europe, l'Asie et l'Afrique, la Crète occupe le 5e rang des îles méditerranéennes par la surface. Mais c'est la plus étirée, 250 km d'est en ouest. L'île de Crète est sortie de l'eau en raison de la poussée conjointe de l'Europe et de l'Afrique qui se rapprochent l'une de l'autre à la vitesse de 4 cm par an. Cette formidable pression a soulevé les plus hauts sommets de l'île jusqu'à 2500 mètres d'altitude. La présence humaine est attestée en Crète depuis plus de 8000 ans, avec des conséquences inévitables sur le paysage. Les vastes forêts de cèdres ont disparu et ont cédé la place aux cultures typiques du bassin méditerranéen, l'olivier et la vigne. Quand le sol est trop ingrat, il se couvre d'une maigre végétation broussailleuse, la garrigue. En Crète, le visiteur évolue de mythe en légende. Mi-homme, mi-taureau, le Minotaure rôdait dans les couloirs interminables du labyrinthe construit par l'architecte Dédale. Pour échapper à cette prison, ne restait que la voie des airs. Elle fut suivie par le fils de Dédale, Icare. La mythologie grecque a localisé sur l'île nombre de ces épisodes, et de grandes puissances y ont laissé leur marque, comme la République de Venise ou l'Empire ottoman contre lesquels le peuple crétois s'est levé. Sous régime grec depuis 1913, la population crétoise reflète la diversité de ses composantes et de ses origines. Outre la langue, la religion orthodoxe constitue un large dénominateur commun. La religion orthodoxe résulte du schisme d'Orient qui marqua la rupture avec l'Église catholique romaine au XIe siècle. L'agriculture impose sa géométrie à la terre depuis des millénaires. Elle représente aujourd'hui encore l'une des principales sources de revenus de l'île. Les ressources de l'élevage sur les parcelles incultes, celles de la pêche sur la côte nord, et celles d'une industrie limitée sont faibles à côté des recettes engendrées par le tourisme. À lui seul, ce secteur fournit 2/3 des rentrées de l'île et emploie 40% de la main-d'œuvre locale. Les communications sont favorisées par un réseau routier bien développé, parfois sommaire dans la moitié sud. Le vent du nord, le meltem, et le sirocco, le vent du sud, contribuent à la production d'une énergie sans cesse renouvelable. La Crète possède les moyens de ses ambitions tout en préservant ses traditions. Le développement touristique, celui des infrastructures et la tentation d'attirer toujours plus de visiteurs représentent un risque pour la qualité de la vie en certains endroits. L'expansion de la capitale régionale, Héraklion, est symptomatique. En quelques années, cette ville de plus de 100 000 habitants est devenue la 5e de Grèce et son port compte parmi les plus actifs de toute la Méditerranée par le nombre des passagers qui y transitent. La Crète se trouve à la croisée de plusieurs routes maritimes. Son importance stratégique n'a pas échappé aux Vénitiens qui fortifièrent le port d'Héraklion. Au commencement du XIIIe siècle et pendant plus de 400 ans, la cité des Doges entretint ici une puissante base militaire et une succursale commerciale très rentable. D'énormes réservoirs d'eau permirent à la ville de résister aux sièges successifs et les imposants remparts, longs de 5 km, défièrent l'envahisseur turc jusqu'au milieu du XVIIe siècle. La place Elefthérias, ou place de la Liberté, rappelle la résistance du peuple crétois contre l'envahisseur allemand pendant la Deuxième Guerre mondiale et le souvenir de Nikos Kazantzakis, enfant du pays, grand écrivain contemporain. L'influence vénitienne et le sens poussé des affaires ont ouvert la ville d'Héraklion aux visiteurs. C'est aujourd'hui une cité dynamique, sans cesse en devenir, qui dispose d'une infrastructure de services récente et performante. Au fabuleux témoignage de son passé, la ville a pu ajouter les nouveaux signes extérieurs de la richesse. La fontaine Morosini est ornée par 4 lions de Saint-Marc, patron de Venise. Elle fut commandée au XVIIe siècle par un gouverneur vénitien. Dans l'agitation commerçante, les cierges enrubannés annoncent la Pâque orthodoxe. La proximité de la fête anime les marchés. Haricots et olives, feuilles de vigne farcies et fromage de chèvre, les productions locales occupent le haut du panier. Les senteurs épicées flottent dans l'air. Les métaux précieux descendent dans la rue. L'Orient n'est pas loin. La cathédrale Agios Minas ne date que du 19e siècle. L'édifice représente l'alpha et l'oméga pour de nombreux Crétois, car il abrite le siège du métropolite, l'archevêque orthodoxe. La cathédrale est la plus vaste de toute la Grèce. À l'heure des offices, elle peut accueillir jusqu'à 8000 fidèles. Le clergé orthodoxe jouit d'un prestige considérable auprès d'une population très pratiquante. Les orthodoxes sont des chrétiens. Ils vénèrent les icônes, des peintures religieuses exécutées à l'origine sur des panneaux de bois. La Pâque orthodoxe est un sommet dans le calendrier crétois. Avec tout le faste byzantin, on célèbre la résurrection du Christ et le renouveau de la lumière. À cette occasion, au milieu d'une foule dense mais respectueuse, un cortège emmène une sainte icône en procession à travers la ville. Toutes les composantes de la société crétoise, qu'elles soient religieuses, militaires ou civiles, sont associées à travers une célébration au large retentissement populaire. Les évangiles ouvrent la marche. Les militaires rendent les honneurs, preuve de l'importance de cette cérémonie. Les rites orthodoxes contribuent depuis des siècles à la transmission d'une culture qui cimente l'unité nationale. Les réjouissances populaires peuvent revêtir de multiples formes. L'Orient voisin leur donne une inspiration particulière dans les senteurs de la viande grillée ou dans les rythmes lancinants des danses. À 5 km d'Héraklion, en direction du sud, la civilisation minoenne a laissé les empreintes les plus nettes de son génie architectural. Ces vestiges furent localisés et inventoriés en 1900 par un archéologue anglais, Arthur Evans. Le palais de Knossos a connu plusieurs versions. La plus ancienne remonterait à 3500 ans avant Jésus-Christ. Toutes ont été détruites par des invasions ou des cataclysmes. Certaines parties ont été reconstituées par Evans, parfois avec l'aide du béton, suscitant de nombreuses controverses. Même s'il est critiqué par les puristes, le travail accompli force l'admiration. À travers les fresques, le visiteur se familiarise avec le mode de vie des Minoens, leur goût pour la tauromachie ou la vie quotidienne au palais. D'énormes jarres stockaient les marchandises entassées au milieu de 18 magasins. Des caniveaux en pierre formaient un réseau d'égouts unique en Europe à l'époque. Le palais de Knossos et son plan complexe auraient donné naissance à la légende du labyrinthe dessiné par Dédale. la géographie de l'île surprend par son homogénéité. Les montagnes s'enchaînent, sauf à l'est d'Héraklion, où le plateau de Lassithi rompt leur succession. Au centre de la partie orientale de l'île, le plateau de Lassithi s'étend sur une dizaine de kilomètres. Son altitude moyenne ne dépasse pas 850 mètres, mais de hautes montagnes l'encadrent sévèrement. Sur les pâturages, les herbes grasses sont agitées par un vent constant qui tournoie dans cette cuvette. L'énergie éolienne est exploitée par le biais de moulins à vent. Jusqu'à une époque récente, on en comptait des milliers. Depuis la période vénitienne, ces moulins actionnent une pompe qui plonge en profondeur dans la nappe phréatique pour remonter l'eau à la surface. Éole, le maître des vents, était le fils de Poséidon, le dieu de la mer, un des souverains de l'univers. Il règne ici sur un océan de verdure. Une vingtaine de hameaux sont installés autour du plateau de Lassithi. Pendant l'été caniculaire, les habitants apprécient la relative fraîcheur prodiguée par le vent. Le plateau de Lassithi forme une sorte d'oasis. Dès qu'on s'en éloigne, le paysage retrouve son austère aridité. Il faut gagner la côte nord toute proche pour retrouver des lieux habités qui s'y rassemblent depuis les origines. C'est la façade tournée vers la Grèce continentale, distante de 150 km seulement à vol d'oiseau. Au nord-est, le sol dénudé n'oppose aucune résistance à l'érosion qui lacère la côte de cruelles entailles. Le cap Agios Ioannis s'enfonce de 6 km dans la mer de Crète. Après avoir passé le cap, la côte bifurque sèchement vers le sud en longeant l'île de Spinalonga. La forteresse vénitienne y hébergeait la dernière léproserie d'Europe jusqu'en 1957. À l'abri, derrière la presqu'île de Spinalonga, le petit port d'Elunda accueille de nombreux bateaux en provenance des autres îles grecques au sud de la mer Égée, Santorin ou Rhodes. Sur le chemin du salut, la route peut faire un détour par le village de Kritsa, niché sur les pentes du mont Dicté à 300 mètres d'altitude. Derrière ces murs chaulés, le village désert, aux heures les plus chaudes, n'a rien perdu de son charme méditerranéen. Dès que les ombres s'allongent, les femmes prennent le frais en jouant du crochet. Leur broderie étale un savoir-faire ancestral, diffusé bien au-delà du village. Toujours plus à l'est, et contrairement aux apparences, la Crète n'est pas coupée du monde. Un aéroport flambant neuf donne à Sitia les moyens d'un développement rapide. Sa situation privilégiée n'avait pas échappé aux Minoens, aux Romains et aux Vénitiens qui construisirent la massive forteresse Kazama, restaurée par les Turcs. Adossée à un amphithéâtre naturel, la ville de Sitia a été détruite lors de la conquête turque. Aujourd'hui, elle est entièrement tournée vers la mer et ses débouchés. Les diverses techniques de pêche permettent de capturer une grande variété de poissons. Entre deux arrivages, la ville émerge de sa torpeur pour quelques parties de Tavli, version locale du backgammon. Sur un promontoire imprenable, le monastère fortifié de Toplou remonte au XIVe siècle. Il dresse son clocher derrière des murs hauts de 10 mètres, dans lesquels s'ouvrent les cellules monacales. Les Vénitiens lui avaient assigné un rôle défensif, sans le priver de son élégance, voire même d'un incontestable raffinement. La sérénité qui se dégage de ces lieux semble bien éloignée des affrontements impitoyables dont l'édifice fut l'objet. La face méridionale de la Crète décrit un long mouvement rectiligne, interrompu au centre à hauteur de Matala, une encoche monumentale pratiquée dans le grès tendre. Levée dans une courbe parfaite, la plage de Matala a connu son heure de gloire à la fin des années 1960, à l'époque où les hippies en avaient fait une étape importante sur la route de Katmandou. Pour se loger, les jeunes gens se réfugiaient dans des excavations de la falaise, des anciens tombeaux romains creusés au 1er siècle après Jésus-Christ. Si l'on en croit la légende, Zeus aurait débarqué ici avec la princesse Europe après l'avoir enlevée et entraînée dans la mer. Toujours plus à l'ouest, Hora Sfakion s'agrippe à la roche au-dessus d'une plage confidentielle. La côte réserve ici et là quelques plages bien isolées dans le dénuement le plus total. Sur le dernier quart du littoral sud, les falaises viennent heurter le regard de front. En plusieurs endroits, des failles profondes s'insinuent au cœur de la roche friable et y creusent de véritables canyons longs de plusieurs kilomètres. Le plus impressionnant de ces phénomènes, les gorges de Samaria, qui descendent vers la mer au terme d'un parcours de 16 kilomètres. Pour rafraîchir les marcheurs, le souffle d'Apollon se fait, paraît-il, sentir à certains endroits. Le dieu de la beauté y serait passé, accompagné d'une jolie nymphe. Question beauté, la nature s'est ici surpassée. À l'arrière-plan, les Lefkaori, les montagnes blanches, culminent à près de 2500 mètres. En s'opposant fermement à la route des nuages, les montagnes blanches garantissent la verdure qui recouvre le plateau d'Omalos. À 1000 mètres d'altitude s'étalent de vastes pâturages où errent les troupeaux pendant la belle saison. La tonte des moutons s'effectue en deux temps. Maintenant, nous sommes allés à la montagne pour tondre les moutons. Au mois de mars et avril, nous avons déjà fait une partie de la tonte. La suite, nous la faisons maintenant. On les tond en deux fois pour leur laisser une protection contre le froid. Avec la chèvre, le mouton est une des deux composantes de l'élevage crétois, en l'absence totale de bovidés. Dans sa partie occidentale, l'île se rétrécit nettement. Pour adopter cette curieuse silhouette aplatie, sa largeur varie entre 60 et 12 km. À l'extrême nord-ouest, la presqu'île de Gramvoussa mord profondément sur la mer. C'est l'un des sites naturels parmi les plus impressionnants de Crète, et pourtant, il reste encore très peu fréquenté. Ania, l'ancienne capitale crétoise, a porté différents noms. Les Minoens en firent une cité puissante, baptisée Kydonia. Grâce à des installations portuaires réputées, la ville devint florissante à partir du XIIIe siècle sous l'impulsion de la République de Venise, qui préféra dire la Canea, francisée en la Canée. Au XVIIe siècle, les Turcs choisiront de l'appeler Kania. Et aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de débat. De son passé composite, la ville a su garder plusieurs témoins architecturaux qui forment un ensemble urbain très réussi et qui entretiennent une ambiance à nul autre pareil. Quelle que soit la saison, les ressources vivrières de l'arrière-pays abondent sur les étals. Inspiré par celui de Marseille, le marché couvert fut construit en 1911. Les spécialités divisent l'espace en quartiers qui reflètent la variété et la qualité des productions crétoises. Le lac de Cournas, près de la côte nord, est un des deux seuls lacs d'eau douce de toute la Crète. Selon la saison et la végétation, l'eau peut changer de couleur. Au sommet d'une colline, le monastère Agia Erini a connu une histoire tragique. L'Igoumène, la mère supérieure, raconte. C'était un monastère d'hommes. Ici, en 1821, les Turcs ont exécuté 33 moines. C'est le monastère du martyr de Sainte-Irène que nous habitons et que nous restaurons depuis 60 ans. Aujourd'hui, le monastère est exclusivement réservé aux femmes. Les platanes restent verts en mémoire des amours de Zeus et d'Europe, réfugiés sur le site d'une des grandes cités de l'Antiquité, Gortine. La ville devint même la capitale de l'île à l'époque romaine. Le nom de Gortine est associé à de très anciens textes de loi rédigés par les anciens Grecs au VIe siècle avant Jésus-Christ et gravés sur un mur circulaire pour que chacun puisse les lire. Toutes les ruines qui subsistent sur le site appartiennent à l'époque romaine, période où la ville connut l'apogée de sa prospérité. C'est le cas des ruines de l'Odéon, un édifice consacré à la musique. Aujourd'hui, partout dans l'île, le feu sacré qui anime les Crétois est alimenté par les traditions, le folklore et les légendes. Sur les rivages de Crète, la princesse Europe donna son nom à un continent. Europe signifiait jaillissement de l'aurore. En Crète, souvent, légendes et réalités ne font qu'une.